Et le comité d'accueil. Bien accueilli. Un petit peu de western en Auvergne. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Jean-Louis, Caroline, enchantée. Enchantée. Laurent. Nous, ça fait longtemps. Justement. T'as pas tellement été ici, toi. Ah non, 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 moi j'ai changé de vie, moi. Ah ouais, ouais. À l'époque, j'étais cadre dans une banque. C'est pour ça que je suis méconnaissable, peut-être, ouais. Et Laurent, alors, il est créé depuis quand? Ça fait une quinzaine d'années que je suis installé ici. Et t'as attendu que je quitte la région. Bah ouais. Il y a un bandit qui passe, un forum. Bah, en fait, dans les années 90, au début des années 90, fin 80, j'ai commencé à mettre à fond l'équitation western. Je fais des stages, voyager. J'ai commencé à acheter des quarter horse, j'ai fait la compétition. Et puis après, la vie, quand elle veut, elle t'aide à... Bien sûr. À changer ce qui s'est passé, et voilà. Dis donc, c'est un paradis ici, là. Ah ouais, ouais. Et d'ici, on peut faire une petite balade. Ouais. Alors, les chevaux, c'est quoi? Essentiellement des quattors? Ah non, c'est essentiellement des idylles de la prairie, des croisés. Des cocktails voilà, des prés. Voilà. Ça va d'une jument qui est plus ou moins celle française à des croisés. Puis là, il y a une jument quarter horse, là, l'Alzan. Puis voilà, c'est des chevaux qui sont des fidèles compagnons, des fidèles ouvriers pour l'école d'équitation, voilà. Puis ça bosse, là. Non, mais là, les premiers aperçus sur la région, Caroline, t'es d'accord, quand même, c'est pas mal. Hein, je crois que c'est fait pour. On est un ranch à part entière dans le sens où on travaille le bétail. Donc cette jument, c'est une jument de cutting, par exemple. On élève des cutting horse depuis 20 ans. Cutting horse, c'est les chevaux de tri de bétail. On prend du bétail à peu près fin mars, début avril. On l'a pas encore rentré. Avec les jeunes? Alors on rentre des broutards, mais enfin nous on préfère des génisses. On rentre des génisses. Pourquoi des génisses? Parce que quand on les revend, on sait qu'elles vont reproduire et qu'elles vont pas aller dans le mauvais sens. Donc on prend des génisses, des aubrac, hein, et on en prend environ une quinzaine début avril, et on les garde tout l'été. Alors, qui devant? Midnight, la jument à Palouza qui est en dessous. Tu mets un petit coup d'étrier pour dire... Combien tu mesures, toi, Laurent? Ah, 60... Oh, je dois me tasser, je suis à 75, on va dire. 75? Bon, je vais te donner une... Et Caroline, combien elle fait? Oh, 1,96. 1,73. Non, ça, c'est une cellule de Rénie. Ah oui, tu y vas comme ça, l'américaine. On voit que c'est du tapis pour le boulot. Ah oui, oui, bah, c'est le propre de l'équitation western, c'est que tout est fait pour travailler avec le cheval. Ouais, et travailler... Tu ne perds pas de temps, quand tu selles, tu poses la selle, tu ne vas pas, tu lui demandes pas pardon de passer. Alors, le cheval, d'abord, il a peur de rien. C'est l'éducation de base. Mais contrairement à ce que tu penses, j'envoie la selle, et là... D'accord, elle se place, en fait. Ah ouais. Mais je la laisse pas tomber, je la retire. Nous, en équitation western, normalement, quand on selle, c'est le matin. Ouais. Et c'est pour la journée. Hein. Ça bouge plus après. Voilà. Hein, c'est l'équitation classique, souvent, quelle est la selle de tel cheval? Ben là, ils n'ont pas de selle, parce que chaque cavalier est différent, chaque cavalier a une taille différente. On a des selles qui vont de 14 à 17 pouces. Et à chaque cavalier doit apprendre après, justement, à régler son matériel. Et sa selle qui lui va bien à lui. Trouver la selle, ils savent leur selle, ils se prennent... Il y en a même qui viennent avec leur selle. Midnight dort. Midnight. Midnight, en ce moment, elle est claquée. Et puis, il y avait l'ostéopathe en début d'après-midi. Ah oui, donc, ils se sont fait manipuler tous. Les chiens, ils sont morts. Les trois, il y en a qui suivent, mais lui, il est tout petit, là, il a 6 mois. Il n'y a pas photo, ouais. Sauf celle de Poulet. On est un peu au-dessus des autres quand on est à cheval. Alors pour voyager, c'est commode parce qu'on a une vue du paysage et des gens aussi qui est totalement différente des maisons. Vous passez sur une petite route en voiture, vous êtes en dessous du haut du mur. Vous ne voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté. À cheval, en général, vous voyez ce qu'il y a de l'autre côté du mur. On profite de la nature, on la sent, on la voit, on la vit, on vibre avec cette nature. On a les sens en alerte dans la nature. Et le cheval nous aide. Lui aussi, il est attentif à tout ce qui se passe. L'équitation randonnée, l'équitation américaine, c'est c'est la liberté, c'est une autre relation. Le cheval est un compagnon et un complice. Oui, ça je connais ce langage. Hein? Ça te parle? Alors du coup, depuis que t'as tes chevaux, tes juments, tes poulinières, tout, t'es obligé d'acheter des vaches. Comme on a des chevaux de bétail, pour les faire travailler, pour leur apprendre, pour les dresser, ben, c'est bien d'avoir du bétail. Alors j'ai un veau mécanique, hein, j'ai ce qu'on appelle un croqueteur. Mais bon, ça vaut mieux travailler avec du bétail. Et puis si tu veux, on adore les vaches. Oui, c'est comme ça. Ouais, alors, en particulier les aubrac. Ma femme est amoureuse des aubrac, en particulier. Et moi aussi. Alors on prend des vaches avec des belles cornes. Hein, si possible. Ouais. On prend un bonheur fou le soir. On va voir nos vaches, on va faire le tour, voir si tout va bien à cheval. Parce que l'aubrac, il a été sensible à l'œil de l'aubrac. C'est un œil de bleu. Autant la salaire, c'est les coquines. Ah oui, l'aubrac, les coquines. L'aubrac, c'est du velours. Elle te fait pleurer quand tu la vois. C'est beau quand on voit des vaches, c'est beau. Faire la gorge, moi. Mais c'est ce qui me manque deux fois le plus, tu sais. Mais franchement... Donc tu vois, on va aller dans ce terrain, là. C'est à toi tout ça? Ouais. C'est ton Wyoming? Voilà. Alors quand il y a les vaches là-dedans, c'est beau. On trotte? Voilà, les juments poulinières, donc là, les trois, dans le quarter horse. Elles sont bien pleines. Bien pleines, hein? Ouais, ouais. C'est pour bientôt, là. C'est pour bientôt, ouais. C'est ce que j'allais dire. Combien de jours encore? Ça, c'est la vraie cerise sur le gâteau. Hein. On fait pas un élevage intensif, on fait un élevage sympa, avec des bonnes origines, des bonnes juments. Voilà, on va rentrer dans le pré, là. On va vous rentrer? Bah oui. Oui. Finissez d'entrer, comme on dit dans la région. Ah, quand même. Regarde comme elles sont belles aussi. Ouais. Si on fait l'équitation western, on essaie d'être assez authentique. Donc on fait l'équitation le plus naturelle possible. Et comme ça doit se pratiquer, les chevaux dehors. Et effectivement, tout le monde est heureux. Et d'abord les chevaux. Voilà. Un cheval, c'est fait pour vivre dehors et certainement pas derrière des barreaux. Mais ici, tu as les conditions climatiques quand même et le territoire. Ouais, mais ça peut geler à -15, -20, elles sont dehors. Oui, d'accord. Par contre, c'est bien nourri, on les voit tous les jours, on s'en occupe. T'es derrière moi? Derrière. Ah, ça on a le cousin de John Wayne. Une fois, on s'était vu un jour de grève chez Michelin. Attends, c'était le Michelin, nous, oui. Ouais. Moi, je vis ma passion. C'est vrai? C'est bien. Depuis toujours ou là, depuis qu'il est installé là, Jean-Louis? J'ai commencé à 59 ans. J'en ai bientôt 70. C'était hier? Ouais, j'en ai bientôt 70 maintenant. Bon, Laurent Bignolas, c'est très connu en Auvergne, parce que je vois. Comment? On sort d'un bosquet au milieu de nulle part et tout le monde sert la main de M. Bignolas. Tout le monde connaît. C'est une star. Il a laissé une trace indélébile, Laurent. Ce que tu m'as fait faire, là, j'ai vécu un rêve. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de une heure par-ci, une heure par-là, tu vois, rien qu'une heure, une heure seulement, disait Jacques Brel. Mais attends, ouais. Beau et con à la fois. Ouais. C'est la fille de la chanson. Merci beaucoup. C'est un bon souvenir, je te fais une. Bien sûr, merci mille fois. C'est un super moment. Un peu court, mais. Pas de soucis. Pas de soucis. Merci, messieurs. Merci à toi, au plaisir. Merci mille fois. Quel beau moment. Il m'a reconnu. Il t'a reconnu? Ah ouais, c'est un Italien. Je l'ai rencontré Casse, moi je dis. Hein. Oui, dans un beau paysage, regarde. Ouais, hein. Super. Magnifique. Et puis, un moment qui donne la pêche, quoi. Et c'est pas fini. C'est pas vrai. Prochain rendez-vous, Claude Poulet. Ah, Claude. T'as dû déjà sentir que c'était un personnage, hein. J'ai senti. Bon, à découvrir. So why, tell me why. Walk around with a head full of shame when you can tell it straight and take the blame. Why? Tell me why do you waste your time from day to day when you can find the strength to make